Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, préparons nos cœurs pour célébrer dignement cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs et implorer la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Paul apôtre aux Hébreux, chapitre 12, les versets 18 à 19, puis 21 à 24. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, il n'y avait ni de matériel comme au Sinaï, pas de feu qui brûle, pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette, pas de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis terrifié et tremblant.
mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des milliers d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes, arrivés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers son sang répandu sur les hommes, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus appelle les douze et pour la première fois, il les envoie deux par deux. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton. De n'avoir ni pain, ni sac, ni pièce de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales et ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison,
restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on vous refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Paix du Christ. Amen. Oui, mes frères et sœurs, dans le Christ Jésus, nous sommes dans la joie de se retrouver dans cette chapelle de Dieu dédiée à l'archange Raphaël. Raphaël, qui veut dire la force de Dieu qui guérit. Oui, nous sommes rassemblés ici sous la convocation du Seigneur lui-même, lui qui est le médiateur d'une nouvelle alliance, comme nous venons de l'écouter dans la première lecture. Et c'est ce même médiateur qui nous invite aujourd'hui, car grâce à notre baptême, nous avons été incorporés et greffés dans un être qui est prêtre, prophète et roi. Et donc le Christ nous envoie en mission. La mission de continuer l'œuvre de la rédemption. Le Christ veut que nous chrétiens, chrétiennes, nous intercédons pour nos frères et sœurs qui agonisent. Ceux qui sont dans des prisons, les enfants de la rue, pour prier, pour que cette prière communautaire puisse toucher le cœur de ce Dieu créateur et nous embraser par son Esprit Saint. Dieu nous dit de lui décharger tous nos fardeaux, nos soucis, et lui y prendra soin de nous. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, de par notre baptême, nous sommes des missionnaires. À l'image de Jésus qui appelle les 12 et les envoie pour la première fois, deux par deux, d'aller annoncer au monde que le règne de Dieu est proche, en leur accordant pouvoir de chasser les esprits impurs, d'imposer les mains et de prier pour les malades. Voilà la vocation de tout chrétien. Car l'union fait la force. Nous devons monter des barrières spirituelles pour empêcher que la lèpre, car chacun de nous est un lépreux, la lèpre spirituelle existe. Et donc la lèpre spirituelle nous renvoie au péché. Et chacun de nous a sa part de péché. Prions les uns les autres pour demander au précieux sang du Christ de nous purifier de cette lèpre. Il y a la lèpre de Gabonsa, que vous appelez Congosa. Il y a la lèpre du mensonge, de la corruption, de la tricherie, de la débauche, de l'infidélité, que sais-je encore. Et donc, nous sommes tous malades et nous devons demander à Jésus, lui qui est le médiateur de la nouvelle alliance, de nous plonger dans sa grâce afin que nous soyons purifiés. En ce jour où nous commençons la neuvaine des malades, puisque l'humanité tout entière se prépare à célébrer le 11 février, la journée internationale des malades, nous allons demander au Seigneur de nous donner la force. Nous avons la force de prier pour nos frères et sœurs qui agonisent, surtout en cette période pandémique où l'humanité entière est visitée, secouée à cause de la COVID-19.
nous allons demander au Seigneur d'avoir pitié de nous les âmes cherchant à vouloir se faire égal à lui. Et voilà, qui sème le vent récolte la tempête. Et donc, nous devons demander au Seigneur d'avoir pitié de nous, comme à l'image des enfants de l'autel d'Israël, qui, après avoir été sauvés par Dieu des mains de Pharaon, arrivés dans le désert, ces mêmes qui l'ont sauvé se sont récriminés contre lui et contre son serviteur Moïse. Et pour les punir, moi j'appelle là une punition sainte, Dieu va envoyer les serpents. Mais quand ce peuple a reconnu sa faute, a demandé à Moïse de plaider pour eux à son Dieu, pas à leur Dieu, mais au Dieu de Moïse. Alors Moïse va écouter leur prière, leur demande, et il va intercéder pour eux auprès de son Dieu. Et voilà, Dieu va demander à Moïse d'ériger un serpent de bronze qui devait accrocher au sommet d'un mât et redresser, et toute personne qui était touchée, mordue par les serpents, rien qu'en regardant ce serpent de bronze, retrouver la vie. Alors, la Bible continue. Ils regarderont celui qu'on a transpercé. Ce « il », c'est vous et moi. Et celui qu'on a transpercé, c'est le Christ Jésus. Lui, le médiateur de la nouvelle alliance. Comme ce jeune homme lépreux qui a couru alors qu'il était malade. On voit la grâce de Dieu qui passait autour de lui. Il a couru, il tombe à genoux. La Bible dit, face contre terre, il formula une demande très simple, mais capitale. Jésus, fils du Dieu vivant, si tu le veux, tu peux me purifier. Nous aussi, mes frères et sœurs, demandons à Jésus de nous purifier de nos lèpres. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Neuvaine, je nous invite de prendre ces feuillets que vous avez reçus pour la prière des malades, pour que Jésus, lui qui est la grâce de Dieu, par nos intelligences, par nos sagesses, nos membres, qu'il puisse toucher du doigt tous nos frères et sœurs qui agonisent. Et surtout, ils sont dans les hôpitaux, mais d'autres encore n'ont pas la chance d'avoir des services de soins et qui agonisent dans les forêts. Et donc, nous allons prier pour toutes ces personnes pour que la grâce de Dieu soit répandue dans l'humanité tout entière. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es vivant et ressuscité. Nous croyons que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel et en chacun de nous. Nous te louons et nous l'adorons. Nous te rendons grâce, Seigneur, de venir jusqu'à nous, toi le pain vivant descendu du ciel. Tu es la plénitude de la vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es, Seigneur, la santé des malades. Nous te supplions, Jésus, aie compassion de ceux qui souffrent dans leur corps, de ceux qui souffrent dans leur cœur et de ceux qui souffrent dans leur âme. Aie compassion de Seigneur. Maintenant, nous te le demandons. Bénis-les tous et fais le beaucoup de pour la santé. Guéris-les, Seigneur, guéris-les.
Nous te demandons pour la gloire du Père du ciel de guérir les malades. Fais qu'ils grandissent dans la foi, dans l'espérance et qu'ils reçoivent la santé pour la gloire de ton nom. Pour que ton règne continue à s'étendre de plus en plus en cœur, à travers les signes et les prodiges de ton amour. Nous te demandons tout cela, Jésus, parce que tu es Jésus. Tu es mon pasteur et nous sommes toutes les brebis de ton troupeau. Nous sommes si sûrs de ton amour que même avant de connaître le résultat de notre prière dans la foi, nous te disons, merci Jésus pour tout ce que tu as fait en chacun de nous. Merci pour les malades que tu es en train de guérir à présent, que tu es en train de visiter par ta miséricorde. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait à travers cette prière. Nous la déposons entre tes mains à partir d'aujourd'hui et nous te demandons de la plonger dans tes saintes plaies. Recouvre-la de ton sang divin et qu'à travers ce message, ton cœur de bon pasteur parle au cœur de tant de malades par cette prière. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Je t'en veux tellement,
cette célébration eucharistique, nous prions l'action de grâce au Seigneur avec le service de consultation externe de médecine générale et celui de service de médecine du travail pour tous ces bienfaits et merveilles qui ont fait le ciel et le succès de la réussite et du bon fonctionnement de ces deux services, partant de leur personnel soignant et administratif, dans la gestion, l'accueil et la prise en charge des patients durant l'année 2020 qui venait de se couler il y a un mois de cela. Et demande au Seigneur pour cette nouvelle année 2021 d'en faire davantage dans ces deux secteurs, à savoir le service de consultation externe de médecine générale et celui de service de médecine de travail, afin que cette nouvelle année 2021 soit une année de fraternité dans une démarche de collaboration de tout son personnel à la recherche de l'excellence pour permettre le bon fonctionnement de ces deux secteurs en vue de l'extension du Centre hospitalier universitaire de Libreville. Ces deux services prient également le Seigneur de bénir tout son personnel partant de leurs entreprises familiales, administratives et privées. Que la grâce de la santé, de la joie, d'amour, de fraternité, de collégialité, de la rigueur dans la gestion et le travail, et de travailler durant cette nouvelle année 2021 dans une démarche de respect mutuel, dans un esprit de responsabilité collégiale pour la construction d'un service plus juste, plus fiable, rigoureux et fraternel à la demande de ce vieux service. Nous prions pour le repos des âmes de Rosalie Malamba, Marie-Brigitte Mibamba et Joséphine Bandi, mais aussi pour le repos de l'âme de la sœur Marie-Jean, sœur de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, encore appelée Sœur Bleue. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits viennent et adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les plus enfants, et tresse à Dieu même à l'écresse, les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Seigneur est saint, Seigneur.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, reçois ton esprit, qui devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer devant sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il remplit les mains des disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il prit la coupe, de nouveau rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, on soit rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, dans l'Église au fondateur du monde, pour la remplacer avec le pape François, notre évêque Patrick Ibaba et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de ta servante, la sœur Marie-Jean, que tu as appelée auprès de toi. Il y a cela deux jours. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton fils, accorde-la maintenant, Seigneur, de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de maman Rosalie Malomba, Marie-Brigitte Livamba et Joséphine Obandi, pour qui nous célébrons cette Eucharistie, mais aussi de toutes les âmes du purgatoire, le personnel soignant qui, en vivant leur sacerdoce médical, ont donné de leur vie en tentant de sauver leurs frères et sœurs touchés par cette pandémie COVID-19, mais aussi de toutes les personnes qui ont séjourné dans ces CHL et qui aujourd'hui se retrouvent entre ciel et terre. Et tous les hommes, depuis ce matin, qui laisse cette vie, reçois-les tout Seigneur dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Reçois Seigneur l'action de grâce que te présente le service externe médecine générale et le service de médecine du travail de ce CHUL. Qui te bénit pour tes merveilles. Que tu ne cesses de faire pleuvoir dans leur vie, mais aussi dans la vie administrative de ces derniers. Oui, Seigneur, c'est toi qui es le médecin des corps et âmes. Viens, Seigneur, visiter ton peuple.
les protéger et rétablir à travers l'action, sinon que le sacerdoce médical du personnel soignant. Renforce, Seigneur, la vigilance de tes enfants contre les antivaleurs. Préserve la foi de ton Église et viens ébranler le règne de Satan dans toutes nos institutions en nous apportant ton règne de paix, d'amour, de fraternité. Oui, Seigneur. En cette semaine où l'Église prépare la célébration de la Journée internationale des malades, Seigneur, nous te confions tous les maux qui minent nos vies. C'est toi qui nous demandes de te décharger tous nos fardeaux et toi tu prendras soin de nous. Voilà, Seigneur, une telle invitation salvifique qui nous donne le courage et ranime et ravive notre foi pour que nous puissions aujourd'hui te faire totalement confiance. Viens, Seigneur. Viens nous rétablir, viens nous guérir, viens nous sauver, viens nous donner la force de te témoigner et la force d'aller en mission, annoncer ta lumière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres Pierre et Paul, les saints de tous les temps, l'archange Raphaël, qui ont vécu dans ton amitié, nous y emparent la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, j'ai le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Pour l'honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Sa recommandation, nous avons la joie de prier ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dis-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde et du péché. Rassure-nous dans les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent l'oreille, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-tu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Oui, Seigneur, conduis nos différents services vers cette unité parfaite qui vise l'excellence. Conduis toutes nos institutions vers l'unité collégiale et la jeunesse et le peuple gabonais vers l'unité nationale. Toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, tout en respectant le protocole médical, donnons-nous la paix. La paix du Christ. Amen.
pauvre de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux, heureuses les invités au festin du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous donnent des forces neuves pour la mission, en fortifiant nos âmes pour la vie éternelle. Amen.
Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permet que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et donc, nous venons de commencer notre ascension pour la journée internationale des malades, prévue pour le 11 février. Et donc, au cours des différentes célébrations eucharistiques, nous allons prier pour nos frères et sœurs qui agonisent, qui sont malades, mais aussi pour nous-mêmes, parce que chacun de nous est un malade qui s'ignore. Nous sommes malades spirituellement. Et donc, j'invite le personnel soignant de vivre avec amour votre sacerdoce médical. C'est par là que vous allez trouver votre clé du paradis. Parce que le Christ, en fait, passe par vous pour toucher ses frères et sœurs qui agonisent. Donnez un témoignage pieux à ces êtres qui sont désespérés. Car ils ont besoin de votre sourire, de votre confort, des mots justes qui réconfortent. Mettons de côté nos sentiments de la maison, car nous savons que les malades sont capricieux. Et l'État gabonais compte sur votre sagesse et vivant le serment d'Hippocrate, car cela aussi va nous conduire dans la maison du Père éternel. Et donc, soyons nombreux, nombreuses à vivre cette neuvaine pour que la grâce de Dieu soit donnée à tout un chacun de nous, car Dieu a promis pour cette nouvelle année 2021 la grâce de la réussite, de la délivrance à tout un chacun. Aux hommes et femmes qui écoutent sa parole, qui la vivent et qui la mettent en pratique. Amen. Alors, je nous souhaite une bonne année, que le Seigneur continue à faire pleuvoir sur nos ciels sa grâce qui est paix, joie, santé. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez. Patrick, qui a voulu nous faire Serge Patrick, des excuses, qui a voulu nous faire une surprise, mais comme tout ce que le Seigneur fait est grâce. Donc, merci pour cette action de grâce.